Let's get to your heart. Sherry, Sherry lady, gone into the motion. Alors c'est parti les bratés. Roleplay. On se concentre parce que là, l'acteur rentre dans son rôle. Vous voyez, là, je suis en mode acteur studio et tout. Ok. Oh, pas problème, pas problème. Emmerdez-moi, toi. Ça y est, je suis dedans. C'est bon. Allez, dans le poteau. Oh putain. Allez. Non, c'est lui. Ah, mais c'est moi d'en plus. Préparez-vous, ça va péter, les gars. Oh merde. Ouais, super. Ah, ils sont gentils avec nous. Oh merde. Non, non, non. Putain. Vous allez voter avec un mouvement vers le ciel, d'accord? Tu entends un moment? Ah oui. Ok, dans 3 secondes. Alors. Bras gauche Donald Trump, bras droit Kamala Harris. Ah ouais. Ah bravo. Bras gauche pour tout le monde. On fera des tracts pour Donald Trump. Mais des faux, hein, on s'en fout, moi je l'aime pas ce connard. Je voulais lever le bras droit, putain. Ouais, tu vois, t'as hésité trop longtemps. Putain. Ben ouais. Ah bon, trop chaud. Excusez-moi, mais pour une fois, je m'autorise. Ouais. J'ai pas envie de mourir. Pas ils vont les vous passer. Vous le faites à casier, hein. Tu as le meurtrier. Bah peut-être que oui. Ils sont en train de menotter le chien. Bah il va. Ah, bien joué. Ça c'est bien joué. Bordel, j'ai tout filmé. C'est la classique. Et des chiens, je te donne des champignons hallucinogènes, mon pote. Ouais, c'est au prouvé de la bonne qualité, de la vraie, de la pure. Pas le salopard. Bon bah allez, on se casse. Non, le respect se perd. Hein. Ah bah attends, Sun King parfait. Ah, en plus, il est avec sa femme, il va pas oser qu'elle se fasse taper. Oh, ouais, c'est un sac. Hop. Allez, on va attention. Putain. Ouais. Il a activé les suspensions hydrauliques, le connard, putain. Oh, bah attention. On se casse. Différente. Mais. Oh, mais c'est une blague. J'ose même plus m'approcher d'une bagnole, elle dépop tous dès que je m'approche. Celle-là. Mais. Non mais arrête. Non mais. Celle-là. Celle-là elle est belle. Plus maintenant. On te donnera un petit truc quand même, hein, Elijah. C'est ton élite, ça, non? Ouais, c'est un élite. Je m'en occupe. Attends, bah oui, il est con. Ah ouais, tu m'en occupes. Il s'en occupe. Il va mourir avant de s'en occuper. Vas-y, occupe-toi-en plus vite, putain. Ah, il est con, putain. Ouais. Putain, ça commence. J'en ai marre. Vous allez bien? Je peux vous aider si vous voulez, hein. Attendez. Oh le pauvre. Ah. Attendez, je vais vous aider de l'autre côté. Du coup, désolé monsieur, hein. C'est la galère, hein. Pas de soucis. A plus. Ouais, bah écoute. Il est dégueulasse, mais... Ouais, mais attends, non, c'est le véhicule de quelqu'un, ça, on est d'accord? Ouais, c'est mort, c'est mort, je prends pas ça, attends. Je m'en occupe, les gars, vous inquiétez pas, opération Mladen. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh. Opération Mladen. Oui, bah non, mais sinon elle est 9. Le moteur est 9. Ça se voit. Bah ouais, j'ai hâte de voir comment tu vas l'ouvrir. J'ai hâte de voir le capot ouvert, tiens. Parce que là. Oh putain, on dirait un Doritos. Une course avec ça, ça peut être marrant parce que c'est tellement dur à conduire. C'est pas évident.
putain, c'est fermé. J'ai enculé le cadet. Bah dis donc, vous êtes influents, les gars. Et putain, là, vous prenez un gauche, véhicule de place places. Au lieu de... Tenez, prenez ça, ça va vous faire du bien. T'as une deux places encore. Derrière. Ah, c'est derrière, ouais. Bah prenez la deux places, peut-être, pour les autres. Mais c'est fou, vous avez pris ça. Elle est belle, hein. Il y a des gens, là. Moi, Oh, putain. Ça, c'est un redneck, hein, c'est sûr. Y'a un problème. Ah oui, d'accord. Oui. Ah, ah bon? Oui. Bon, bah écoute, vu ce qu'on en est... Oh, waouh. Allez, on va le toquer. Allez, vas-y, ouvre la porte. Là, au moins. Il est devant, ce con, il est devant. Pousse-toi! Non, mais faut un grand coup, il va voler à 20 mètres. Oh, au secours! Bah, d'abord, tout va bien. Qui a fermé? Non, mais t'as pété la porte, tu l'as décalé de 20 mètres, putain, mais non! On fera 50 pour tout le monde, comme ça on est gagnant pour un truc emmerdant. Oh, c'est une puce là? C'est prison. Un bus de la prison, ça? Putain, mais c'est pas possible de pas regarder comme ça la priorité. Mais comment tu conduis, Vlad? Mais la priorité, regardes... putain, t'es con, quoi? Mais regarde devant, regarde mais pas non, derrière, mais c'est toi, tu m'as dit, regarde, oh là là, c'est quoi ça, gnagnagna? Moi, je regarde, c'est moi qui conduis, putain. Ouais, bah, j'allais la payer, de toute façon. Alors, je la paye plus, tu la payes, hein. Ah oui. J'ai plus d'argent. Oh putain, attendez, c'est là, c'est là, c'est là. Attends. Ah, tu veux vraiment? Oh putain, ah, mais je crois que tu voulais la récupérer. Ah bah voilà! Ça prendra un peu de merde. Oh, teste-le, hein. Teste-le. Vas-y, ah, ça, c'était pas malin. Vas-y, non, mais je veux voir comment il transporte du poids. Oh merde. Voilà, ça monte tranquille. Après, ça stabilise quand même, tu vois, hein, parce que, mais bon, c'est, tu vois, c'est pas mal. Et c'est stable. Là, on est beaucoup plus lent pour le coup. Oui, ouais. Oui. Après, avec des petites bosses, tu vois, tu prends des kilomètres heure en plus. Par contre, tu remarques comment il se détache pas du sol? Oh putain. Pardon, tu disais quoi? Aïe, s'il vous plaît, aïe. T'as vu un petit peu comment il retourne ce serrou? Tu disais quoi juste avant? Qu'il se détache pas du sol? Ouais, non, mais ça fume, hein. L'âme du renouveau du SAST. Tiens, regarde, bon, enquêteur comme il est, il a déjà entendu qu'on parlait. Et voilà, tu vois. Salut, ça va la femme? J'ai un problème là-dessus. Je passe sa vie à crier, donc forcément les gens... Bonjour, monsieur l'agent. Non, je gueulais pas. Hein, comment ça, monsieur l'agent? Comment ça? Monsieur le futur agent. Attends, mais c'est pas aujourd'hui que t'es censé faire recruter? Oh putain, il a déjà pris ses marques en tant que flic. Super. Du coup, non, je petit coup de masse. Et puis, au pire, j'ai la vitre, elle sert à rien, là, qui... Ah. Merde. T'en fais pas, les mécanos ça leur faire du taf en ce moment, ils ont pas. Ah bah parfait. C'est encore mieux. Ah oh non, mais enlève encore des pièces, moi je récupère pour mon biz. Hein. Un pare-choc, une porte, parfait. Et des gars avec qui on travaille. Si, muy bien, si, señor, retardo, señor. Alors, on va chier tout le monde. Para Atahualpa, voy a matar a todos, voilà. Exactement. Il attend copier l'Imlan. Allez, vas-y là. Moi j'attends pour copier son ami. Et lui, il attend pour. Bah, assis-toi, vas-y. Alors quoi? Allez. Vous avez peur de vous asseoir ou quoi? Non. Vas-y, moi j'attends que tu testes d'abord. Parce que là je suis à deux doigts de venir ici dans ma chambre d'hôtel et de les matards, les mettre sous le... Descends de la voiture, je voudrais essayer un truc. Non, bouge plus. Sac grand-mère là. Ah ouais, putain. Essaye-toi. Ah voilà. Ah oui, mais non, mais attends. Relâche. Non, mais j'arrive pas, là. Mais lâche, arrête. Si, essaye. Vas-y, si t'as fait le sport. Ah, je pousse, hein. Ouais, mais tu sais, normal. Oui. Bah si, mais vas-y, fais comme d'habitude. Utilise tes mains pour pousser. Ah oui. Mais, attends. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Bon, bah peut-être que... Ah, t'as fait voir. Arrête. Allez, on y va. Ah. Ramène-moi à la maison, putain. Ah, j'ai les mains coincées dans le... Arrête. Ah, oh, putain, ma voiture. Fuck it. Grrr. What the fuck? Ah. Ça,
ça c'est. No, wait, wait, you got it pass backwards. I didn't mean nothing. Non, non. Putain, il est remonté. Oh my god. Ah, c'est bon. Ah. Ouais, c'est bon, tu m'emmerdes. Hein. Allez, bisous. Bye bye. Putain, j'ai pris le pire véhicule ever. Hein. C'est le seul qui a voulu de moi. Allez, stop, trucs... qu'est-ce qu'on va se faire chier là? Mais... ça, c'est leur vie, c'est fait une. Merci mon Lobeja, merci mon Braté. Ouais, ouais, mon ouais, merci, 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 merci. Fuck you, merci. Ouais, merci, ouais, merci, ouais, merci, ouais, allez. Ouais. Oui. Ça fait Lobeja le mec, tout vous le monde. Vous m'emmerdez. C'est qui, ouais? Putain, vous m'emmerdez, bah, c'est pas normal voiture, là. Que j'ai connu des gars de chez toi, hein, de leur vivant. Vas-y. Ok. Los Reyes del Nuevo Mundo. Oui, bien sûr. Si, viva Cayo Berrico, lorsque nous étions implantés, bien sûr. C'était de très bons amis. Ah, si, muy bien. Et alors, pourquoi je te connais pas en forêt? Pourquoi tu me connais pas? Parce que probablement que je passais par des gars peut-être un peu plus petits à l'époque. Vas-y, alors si avec qui tu parlais, dis-moi des noms. Comment il s'appelait l'autre qui avait un accent là? Ah, c'est marrant ça. Non, on non, mais non, jamais de la vie, enfoiré. Je vais pouvoir bien baiser la gueule aux mecs qui passent dans les ruelles et qui sont à deux doigts de tuer des SDF. Hein. Bon, après, c'est vrai qu'une fois j'ai shooté un mec en vélo. Oui, et enfin, deux mecs en scooter. Attends. Quoi? Oui, voilà. Quoi? Et un mec en moto, et un mec en voiture. Ah non, mais le gars en voiture, mec, c'est. Attends, c'est différent. Quoi? Non, oui, non, mais il a sa voiture était grise. Et elle ça faisait une réflexion avec le soleil. Et oui. Et tu te rappelles le mec en moto en haut de Non, mais le mec en moto, attends, le toqueur, attends, mais lui aussi, il roulait vite. Voilà, le mec était en voiture, vers le burger shot. Tu te rappelles de lui aussi? Le feu rouge. Le feu rouge. Oui, bah oui, le feu rouge, oui, bien sûr, ouais. Et tu te rappelles à côté de la place des cubes? Bim. Non, mais attends, la place des cubes aussi, c'est évident. Les mecs, ils roulent comme des fous à la place des cubes. On peut y passer une heure, hein, si tu veux, hein. Arrête, t'es conduit, tu sais pas conduire. Mais j'ai une explication pour chaque personne. Ah bon? Oui. Oui, c'est parce que le feu était vert, c'est ça? Le meilleur coiffeur de la ville, en plus. Ouais, le meilleur coiffeur, t'as vu, il a pas fini ma coupe, hein. Regarde-le, hein. Meilleur, fais des coupes à moitié, celui-là, là. Tu m'as dit que t'es pas le temps, t'es parti. Pas le temps, t'es pas le temps parce que tu coiffes pas assez vite, c'est tout. Regarde maintenant. Une couette là et l'autre couette, mais s'il n'y a pas. Après, c'est pas un film. Pourquoi nous, on aime le orange? Ah, bah justement, on se posait la question. C'est ça, attends, je peux tenter, j'ai une idée. On s'est dit pourquoi. Alors, je tente un coup, attention, rien de blessant. Je tente un coup, c'est tout. Parce que vous avez passé du temps en prison et que du coup, c'est une couleur que vous êtes dit au final, c'est cool. Bah alors, pas vraiment, parce que je viens de Medellin, donc la prison c'est pas ça. Mais je trouve que ton idée n'est pas conne. Je la mets sur une tête de liste que pourquoi pas ça aurait pu arriver. Ah oui, ok, super. Et toi, Emmet, tu penses quoi? C'est une bonne idée, ouais. Moi, je pense que ça représente le coucher de soleil à Mexico. Comme c'est Medellin. Une couleur agréable. Attends, bah, voilà. Tu dis Mexico, putain, c'est des Colombiens. Putain, attention. Ils ont l'air cool, ils sont pas trop hauteurs. Il est à l'aise, hein. Il a l'air cool de démonter. Si t'aimes bien déglinguer des bagnoles, on a un truc pour toi. Ils jouent. Si on se barre, les mecs, ils sont en mode vas-y, aucun intérêt à jouer avec ces gens-là. Quoi. Non, mais c'est bon, man, c'est bon, là, elle a eu le cerveau. Même... Attends, on a peut-être non, mais mieux, parce on a que peut-être on a... mieux à te proposer. Attention. Oh la vache. Merde. On vous donnera plus d'argent, c'est normal. Ok, je vois sur ça. Ça peut être intéressant. Tu sais quoi? T'as gagné un peu de respect de ma part. Ça me fait penser à Mission Passée de Respect Plus. Enfoiré, ça y est, toi, je vais te cogner contre la coachée derrière, je crois. Mais non, je rigole. Putain, je rigole. Par contre, sache juste tout court, la prochaine fois que tu défonces la bagnole d'Elijah, on va la réparer encore. Ah ouais. Il pleure. Pendant une seconde, il est cru, t'allais dire, lave de ma mère, je reviens avec le cartel de Sinaloa, je te tire dessus. Ah bah non, t'aurais eu peur, non? Franchement, la vie de ma mère que oui un peu. Bon oui, c'est vrai, j'avoue, ça fait peur. C'est une règle, c'est une seule. Moi je j'ai comprends. Une morale. Je... C'est une seule. Voilà. Bah ouais, c'est lourd un peu, laisse-moi tranquille là-haut. Non, attends. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà, allez, allez, bisous. C'est bon? Tout va bien? Allez, tout va mieux. Attends, parce que l'autre il va arriver, il va nous prendre pour c'est des pas... fous. C'était pas mon téléphone. Connard de merde. Mais disons qu'on a fortement contribué de notre manière pour ça. Et pourtant, est-ce que d'autres personnes... Thank you.
joue, tu deviens une pute. Allez, dégage toi là-bas, bien fait pour ta gueule. Et voilà. Quand je parle de pute, c'est que je balance. Fin